Bonjour. Aujourd'hui, on continue le Let's Play Ni no Kuni. Maintenant, nous devons amener l'œuf de familier au grand-oncle. Je cours avec l'œuf dans les bras. Nous sommes dans le jardin du grand-oncle. Je pose l'œuf devant l'arbre. Grand-oncle Automne, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé. Se passer, to happen. Deviner, to guess. You'll never guess what happened. Something weird's happening there. So again, the sentences that we hear are not the same as what we can read. On s'est fait attaquer par des créatures silencieuses dans la forêt. Se faire attaquer, to get attacked. Par des créatures silencieuses. Il se passe des trucs bizarres. Se passer, to happen. Bizarre, weird. Weird things are happening. Il se passe des choses bizarres. Que va-t-on faire? What are we going to do? Ah, the entire forest is trembling in fear. Par tous les glands, cela n'augure rien de bon. Je l'ai senti aussi. Toute la forêt tremble de peur. So the beginning is difficult, but je l'ai senti aussi. I felt it too. Toute la forêt tremble de peur. Trembler, to shake. Something must be coming. Même les vents qui soufflent sur le monde se querelleur. Quelque chose approche. So let's take a look at the end. Quelque chose. Something approach comes, approaches. Quelque chose approche. It seems you've made some interesting friends. À propos, mon enfant, tu as là de nouveaux amis intéressants. This tiny fellow doesn't feel all that unfamiliar. So this is quite similar to what we hear. Children with two souls? Âme, soul. Voilà qui est bien étrange. That's something strange. What is he talking about? Yeah, they're a little weird, but they're really good friends. They saved us. So here again, it's also very different. Aucun d'entre nous, none of us, ne serait encore vivant sans leur aide, would be alive without their help. Oh, thank you. I would love to repay your kindness. So, repay your kindness pour avoir secouru Felirink. For saving Felirink. Ah, yes. That would be perfect. Ho ho! Let us begin. Everyone, if you would, please join me. Wow, what's happening? My goodness, where did they all come from? Il y a plein de petites créatures. It's hatching. Hatching, éclore. Un animal est sorti de l'œuf. Il ressemble à une souris.
Il ressemble à une souris grise. Il a de grandes oreilles. Looks like they know who their savior is. It's a familiar. So it's a familiar, that is the first sentence. And then, puisse cette adorable créature vous aider au cours de votre périple. Puisse is a bit difficult. It's like subjunctive. May this adorable creature help you in your journey. Hey, what about me? Where's mine? Even they can tell that you're not so pure of heart. What? Oh, in that case. La Chloé est triste. Chloé est triste. I'll take you. What? You wish. I can tell from your expression that you have a burning desire to know. All right then, allow me to explain. This is a warrior of heart, a familiar. So, the second sentence. Ils naissent à partir de tout ce qui possède un cœur dans ce monde. So they are born from anything that has a heart in this world. À partir de, from. This one was born in the heart of the forest before it was contaminated. They're feeling very grateful to you. I'll explain carefully. So listen up! Donc je dois équiper mon nouveau familier. Alors, lisons. Vous pouvez équiper jusqu'à 3 familiers. Ok. Plus il y a de familiers équipés, plus les joueurs deviennent forts. Ok. Donc, emplacement, menu, familier, équiper un familier. Ok. Alors, on ouvre le menu. On ouvre le menu. On clique sur familier. Et encore familier. On clique sur cette souris et on équipe le familier. On va le mettre dans le premier emplacement. Le premier emplacement. Alors, vous pouvez choisir les familiers avec lesquels vous voulez relier votre cœur. D'accord. Donc, on peut choisir les familiers. Ce familier... Friend, huh? You mean me? No, you've got to be kidding me. Je pense que Clu n'aime pas beaucoup Chloé. Il n'aime pas beaucoup Chloé. I'm talking about the familia. Over there. Donc, des monstres arrivent, des monstres s'approchent. Ah, monsters! Oh, this is bad! Oh, must have chased us all away from the foul forest. We could use this as a test. Logique. Let's go! Ouais. Hein? Alors, essayez d'utiliser une compétence de familier. Le familier va m'aider. Suite de flèches.
Ah, inflige des dégâts, d'accord. D'accord. Donc on doit aller à Espérance. Espérance is hope, but they translated Evermore by Espérance. A plus means see you later. Evermore. Donc tu parles bien de la ville avec l'énorme château, exact. So here this bien is to have confirmation. You're talking about that, right? Donc bien and exact have the same use. Tu parles bien de la ville avec l'énorme château. Oh, oh, I know the way. I can take you there. Why should we follow you? Thanks, but no thanks. She doesn't seem like a bad person. So second sentence. Pourquoi ne pas en faire votre amie? Why not making her your friend? I don't think she's a bad person either. You're all making me sound like a bad guy. Donc, Clou, il a mauvais caractère. Il a mauvais caractère. Seriously? Does no one else see? Vous voyez pas comment elle me mate? Mater, c'est comme regarder. Vous ne voyez pas comment elle me regarde? Mater, the slang for regarder. No need to be shy. Let's go. Et mon personnage court encore tout seul. Mm-hmm. I didn't find out how to avoid that. Donc nous sommes dans une grotte ou un tunnel. And here we go. Nous y voilà. Look at those adorable chubby cheeks! What do you think you're doing? Chloé adore Clou. Please, just one hug, come on! No, no, go away! Et c'est le vrai début du jeu. Le jeu est très beau. Le jeu est très beau. Oh. Nous sommes dans une ville. Elle est très belle aussi. Ah. Deux personnes se battent. Se battent. Se battre, to fight. Il y a un enfant qui joue avec un animal. Cet animal ressemble à un mouton. Donc c'est la ville d'Espérance. Ceci est un château. Un château. Ta-da! This is Evermore. Are we finally here? So the rest of the sentence. C'était long et fatigant, dans tous les sens du terme. It was long and tiring, in every meaning of the words. Even though I'm not sure to see what he means here. Well, I guess this is where we part ways. Du balai. Balai basically means broom. Here it means just go away. Du balai is an expression. C'est une expression pour dire part. Leave. Come on, Clou. Don't play hard to get. And same thing. Tu joues les insensibles parce que tu es triste de me voir partir, pas vrai? You're playing insensitive because you are sad to see me leave. Jouer les insensibles. Playing the insensitive person.
No, believe me, I've quite honestly never been more sincere in my life! I know, I know. I understand how you feel. Pas besoin de le cacher, no need to hide it. Catch you later. Bye bye, Clue. Mwah. Oh, finally! She's finally gone! What's with her? Nous avons gagné 5400 XP, 700 pièces et 20 potions. Quête terminée. Et je suis montée au niveau 3. Avant, j'étais au niveau 2. Maintenant, je suis au niveau 3. Regardons un peu la ville. Les arbres de la ville sont roses. Il y a des murs en briques et une jolie porte. En haut, au-dessus du château, il y a des drapeaux rouges. La ville est très coloré. Ah, j'ai une notification. Oh, alors. Il y a plusieurs skins. Ce sont des costumes. D'accord, je peux changer l'apparence des personnages. Utilisez les teintures pour modifier la couleur de votre skin. Ok. Donc je peux utiliser des teintures. Maintenant j'ai une tenue d'écuyer. Je ne peux pas changer ma tenue. Allons voir dans les... Je ne peux pas changer ma tenue. Est-ce que je peux changer mes cheveux? Non, je ne peux pas changer mes cheveux. Pas en possession means you don't own it. Donc je ne peux pas changer mes cheveux. Et pareil, je ne peux pas changer mon visage. Donc je peux changer plus tard. Et j'ai un message. Ah, ok. Ok, so that's just one. Ok. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Les registres. Les registres sont en rouge. Pourquoi? Participer à diverses activités du jeu pour obtenir des points de succès et des récompenses. D'accord. Ok. Gagner des points de succès pour augmenter votre rang de succès et les statistiques de votre personnage. Donc je peux power up. Augmenter le rang de succès. Ah, je peux récupérer des récompenses. D'accord. Et la collection, qu'est-ce que c'est? Je peux avoir aussi des récompenses. C'est un peu comme des missions. Des petites missions. D'accord. Je regarderai ça un peu plus tard. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et on reprendra un peu plus tard. Je fais les missions petit à petit, step by step. Je fais des vidéos courtes parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, je vous dis au revoir. On se retrouve un peu plus tard. Bye.